Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge ? Non. Hockey Conseil VIP, Justine, bonjour. Allô ? Allô ? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois ? Juste une fois ? Ah non, non, Justine Chrétien. Il n'y a pas de Justine Foy ici. Mais oui, je vous écoute. Bonsoir, monsieur Leblanc. Oui, Justine, c'est vieux. Georges Van Bruggel, à l'appareil. Pardon de vous déranger à une heure aussi tardive, mais je suis producteur belge, n'est-ce pas ? J'arrive de Belgique une fois, et je suis très intéressé par votre roman. Votre roman, Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Le Petit Cheval de Manège. Ah, ok. Mais vous parlez des vidéos Facebook que fait mon frère, c'est ça ? Sur l'agence, Orpi Conseil VIP. Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma. Non mais c'est une blague. Pas du tout. Pourquoi une blague ? Thibaut, il y a un mec qui veut produire nos vidéos Orpi. Pardon ? Je te passe. Ne quittez pas, monsieur. Enfin, on vient taper à ma porte. C'est qui ? C'est Étienne Châtillier ? Vous faites erreur, monsieur Leblanc. Je ne suis pas Étienne du tout. Je suis producteur et j'arrive de Bruxelles. Quelle production ? Pardon ? Non, le nom de votre production, c'est quoi ? Les films du plat pays. Les films du plat pays ? Ça sera une production jeune mais dynamique, monsieur Leblanc. Et vous avez vraiment tout vu ? Parce que parfois, il y a des séquences que je fais un peu limite. Hein. C'est pour la télé ou c'est pour le cinéma ? Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Pas pour la petite lucarne. Ok, c'est cool ça. Par contre, je veux un avion qui vole au-dessus de la place du marché et qui dit « Orpi, c'est les meilleurs ». Je ne parais pas poser de problème, ça, monsieur Leblanc. Mais vous devez seulement savoir que nous avons une grosse production et que nous l'avons... On peut aussi faire l'estimation de votre maison. Hein, pour voir si ensemble, on trouvera un début de projet. Vous êtes monsieur comment, déjà ? Van Bruggel, alors écoutez. Alors, je vous appelle demain chez vous et on prend rendez-vous une fois. Ok, top. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et... pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Comment il a marché, lui ? Énorme. Bah, je vais lui vendre super cher, le droit. À nous, Hollywood.